Pour la deuxième question, donc on va calculer, donc vous avez vos différentes et, on va calculer en fonction de la typologie de votre et le nombre de mètres cubes de bois que vous allez avoir. Donc si vous êtes sur une et de typologie 1, ça vous fait un volume moyen de 28 mètres cubes pour 100 mètres de haies. Donc première question, déterminer le nombre total linéaire de vos haies, donc en colonne D, vous avez vos nombres linéaires, donc il suffisait de faire la somme de D2 jusqu'à D34. Donc on fait la somme de D2 jusqu'à D34 et comme ça vous allez avoir le nombre total de vos haies. Donc somme D2, D34. En colonne R, faire apparaître le volume pour 100 mètres linéaires suivant la typologie. Donc comment faire cette question-là? Donc si vous êtes sur une typologie 2, votre mètre linéaire, on va faire afficher 19. Si vous êtes sur du 1, on va faire afficher 28. Pour faire ça, donc moi j'ai utilisé la fonction si. Vous êtes beaucoup à avoir utilisé la fonction si condition. Donc c'est un peu pareil. Donc si C2 égale à 1, je prends mon volume de bois. Je vais chercher mon volume de bois C4. Pourquoi dans la feuille volume de bois, j'ai C4. Donc dans ma feuille volume de bois, je prends C4. Elle est ici. Sinon, si C2 égale à 2, je prends C2, je vais faire afficher eh ben donc, C5, etc. Donc voilà avec la fonction si. Si on veut le faire avec la fonction si condition, insertion, fonction, je cherche la fonction si condition. Donc si condition. Suivant, test. Donc si. Donc si C2 égale à 1. Votre résultat, vous allez le chercher dans la feuille volume de bois et ça va être C4. Si C2 égale à 2, on va aller le chercher ici, etc. jusqu'à 5. Donc si C2 est égal à 2, si C2 est égal à 3, je vais aller la chercher ici. Si C2 égale à 4, ici. Si C2 égale à 5, ici. Si C2 égale à, donc on est arrivé à 6, ici. OK. Et ça m'affiche ma valeur. Donc 19 et je déroule. Alors pourquoi ça ne fonctionne pas ici? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire? Donc évidemment, il faut que les valeurs qui soient ici soient bloquées. Donc il manque 1 dollar ici, il manque 1 dollar ici. En C6, 1 dollar. 1 dollar. Et là, ça devrait fonctionner. Donc 1 dollar en C8. Et voilà, donc là, ça fonctionne. Déterminer le volume de bois que vous allez avoir. Donc bien évidemment, il faut penser à multiplier par le nombre de mètres linéaires que vous avez. Donc vous avez une haie de type 2. Vous en avez 282 mètres. Vous allez avoir combien de mètres cubes de bois? Eh bien, ça va être le nombre que vous allez avoir, donc 19 pour 100 mètres, multiplié par 282, divisé par 100. Donc ici, il suffit de faire donc R2. Donc R2 fois D2. Après, donc de ça, donc on en fait la somme. Donc on était pour 100 mètres, hein, donc pour 100 mètres de haie. Donc là, on est à 200, donc là, divisé par 100, évidemment. Et je déroule. Donner le volume de bois que vous allez avoir, ben, ça va être la somme de cette colonne-là. Donc ma somme, donc ça va être ma somme. Donc je vais donc avoir, donc c'est la somme que j'avais divisée par 100. Donc là, il ne faut pas que je le redivise par 100 si je le redivise par 100.
Donc ma somme, 897 mètres cubes de bois. Convertissez ce volume en tonnes en considérant qu'un équivalent plaquette est équivalent à 300 kg. Donc un équivalent plaquette, donc si vous avez un équivalent plaquette, ça vous fait 300 kg de bois. Vous, donc des maps, vous en avez combien? Mètre cube équivalent plaquette, vous en avez 897. Donc ça va 897. Donc comment, quel calcul allez-vous faire? Donc 897 multiplié par 300. Donc vous allez avoir combien de kilos de bois? Donc 0,3, donc 0,3 pour mettre en tonnes, 0,3 multiplié par avec. Ce qui vous fait 269 tonnes de bois. Alors maintenant, pour la gestion de votre haie. Pour la gestion de votre haie, vous savez certainement que pour ne pas compromettre le capital de votre haie, on ne doit pas prélever plus de 10% dans l'année pour que ça ait le temps de se régénérer. Donc si je prélève donc dans ma haie, vous en avez 897, vous en avez réussi à en avoir ce total-là, vous ne devez pas en prélever plus que 10%. Donc je calcule, donc si ma valeur, donc si mes 10%, donc mes 10%, j'ai 0,62, 10% c'est 10% de ce nombre-là, donc si 0,1 fois 20, 269 est supérieur à 74, c'est-à-dire que j'ai suffisamment de bois. Ben, je vais faire afficher bonne gestion, sinon je vais afficher à revoir. Donc ici, on est bien à revoir, parce que si je prends 10% de ce nombre-là, donc ça me fait 26,9. 26,9, je suis bien loin des 74 tonnes. Donc là, ma gestion, elle n'est pas bonne.